Et bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour le troisième épisode du Let's Play sur Call of Duty. Et donc cet épisode est donc tourné juste à la suite du second, comme vous pouvez voir à cette magnifique phrase du général Douglas MacArthur, hein, Douglas pour les intimes, hein. Moi je l'appelais Douglas parce que je le connaissais très bien, il était dans une petite maisonnette, c'était franchement c'était vachement sympa, sa femme faisait pas mal de très bons plats quoi, franchement. Ouais, je rigole. Bon, allez, niveau suivant. Près de Sainte-Marie-du-Mont, Normandie, France, c'est un vrai fatras. Toutes les compagnies sont bien en dessous de leurs effectifs à cause des parachutages ratés un peu partout. Heureusement, Follet, c'est ce qu'il fait, car je ne crois pas qu'on va venir nous aider ici. Entre-temps, nous avons déjà une nouvelle mission. Une batterie d'artillerie allemande à quelques kilomètres au nord vient d'ouvrir le feu sur les plages. Le haut commandement veut qu'on la fasse taire. On n'a même pas de soutien d'artillerie ou aérien et on est en sous-effectif. Mais à ce stade, ça semble presque normal. Effectivement, vu sous cet angle. Troisième escouade, vous couvrez notre flanc avec votre mitrailleuse. Deuxième escouade, vous suivez en réserve. Elder, Marty, suivez-moi. Bien. Tout le monde est prêt? Oui. On y va. Je te suis. I see you. Enfin, I see, c'est plus où je te vois, mais. I go. Je sais pas quoi l'armée, désolé. Troisième escouade, attirez leur attention sur la gauche. Deuxième escouade, frappez-les sur la droite. Allez, à l'attaque! Moi je te suis comme tu me dis de faire. Hein. Pour l'instant, les gars sont en train de se faire tuer. Mais... Hey, le mec il passe du tout dans moi quoi. Oh. Je vais me coucher, je serai beaucoup plus stable. Et ce sera plus difficile pour moi de me tirer dessus quoi. C'est tout? Ah non, là-bas. Je me disais aussi. Demi-tour, abritez-vous. Ce canon ah va mais en exploser. Fait, cette arme ne peut pas se recharger quand on n'a plus beaucoup de balles. Massacre. Un pur massacre. Allez, à couvert. Oh. N'abandonnez pas. J'essaie de faire des trucs, mais ça marche pas très bien. Hey, je voulais te tuer à la crosse, moi. Martin, attrapez vite ces documents ennemis. Les documents, fouillez. Mais, ne me mettez pas sous le nez, s'il vous plaît. Plutôt comme ça, ce sera mieux. Non mais elle était pas nulle hein, mais bon, c'est juste que je préfère passer une arme à coup par coup.
par une arme à coups partout et par une arme automatique par une arme à coups partout. Martin, Elder, couvrez-moi. D'accord. D'accord. Bon, j'ai un peu tout le pied. C'est un gaz. Il est méga concentré là. Ouf. Et voilà. Ah oui, il en manque un qui vient de tuer et un ici. Que je viens de tuer. Donc explosion. Oh putain. Voilà. Comment se débarrasser rapidement de. Allemand, hein, de soldats allemands. C'est ça la méthode la plus simple. Bon, je suis bientôt plus de balles. Est-ce que c'est moi qui ai dit ou est-ce que c'est mon cher compatriote, mon cher camarade plutôt. Ouais, je vais plutôt passer ça par ça. Il vaut mieux. Il y a plus de munitions. Hop là. Donc ensuite c'est par où? C'est par là-bas parce que ce sont des mines et il vaut mieux pas marcher dessus. J'ai pas envie de décourter la partie. Hein. Je vais prendre ça. Alors, je vais passer par là pour les fonds d'armée. Et voilà. Le mec était en plein milieu, quoi. Il se faisait même pas tirer dessus, quoi. C'est un cheater, quoi. Ça marche pas très bien, j'essaie de faire un quick scope mais En avant. Donc faut aller au-dessus. Ça marche tout aussi bien le noscope. Courage, les frites sont dehors. Prenez cet MG40. Les frites? Oui, j'aime les frites. Bon, par contre.
faudrait pas qu'on nous attaque par derrière. Les fruits sont dehors. Il faut les rendre plus vite parce que sinon après ça sera froid. C'est bien. Grenade. Comment on torture les gens? Comment on torture les personnages qu'on tire dans le pied et ensuite on les tue quoi. Ah. Eh hey. Ah. Non mais tu voulais te battre hein. Bon je vais me soigner. Hein, il avait, j'avais vu un truc un peu. Hop là. C'est leur dernier canon. Détruisons-le et fichons le camp. Ouais, tu veux bien que je vérifie qu'il n'y ait personne pour pas me faire tuer. Pour éviter en tout cas. Voilà. Voilà. C'est comme ça. J'ai plus du tout de vie. Putain, les explosions sont tellement bien faites. Un héros n'est pas plus brave qu'un homme ordinaire. Mais il est brave quelques minutes de plus. Ralph Waldo Emerson. Ouais, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Donc. Première section, écoutez-moi. Le sergent Moody me doit 50 balles parce qu'on dirait bien que l'opération Overlord est un succès. Nos amis britanniques et canadiens ont pris la plupart de leurs objectifs. Et à part Omaha, le débarquement sur les plages s'est plutôt bien passé. Les unités aéroportées ont été lâchées un peu n'importe où, mais les hommes ont formé des unités mixtes et ont atteint la plupart des objectifs du jour J. Je suis extrêmement fier de vous tous. Non, je crois pas que ceux de comme vous le savez, le sergent Moody et les soldats Elder et Martin ont traversé la ligne de front jusqu'au quartier général du bataillon. C'est un style qui me sans eux, le QG n'aurait sans doute pas envoyé de renfort pour tendu, vous aider hein. À tenir Sainte-Mère l'église. C'est horrible. Le quartier général a chargé Moody, Elder et Martin de faire taire une batterie allemande au manoir de Brécourt. Ils se sont retrouvés face à toute une section allemande. Eh bien, il semble que quelqu'un au commandement ait remarqué vos actions. Notre unité a été détachée du reste de la 101e pour quelques missions spéciales derrière les lignes ennemies. Messieurs, je vous conseille de réviser votre allemand et de profiter de la pause tant que vous le pouvez. Génial, en gros, on va se faire tuer plus vite, quoi. Alpes bavaroises, Allemagne. Il paraît que les officiers britanniques, le capitaine Price et le major Ingram, ont été descendus quelque part sur le territoire ennemi. Je ne sais pas qui sont ces types, mais je pense qu'ils sont assez importants, ou qu'ils savent quelque chose d'important, car il était décidé de ne pas acheter en Autriche pour le sauver. Ou putain, ça fait loin. On nous a dit que les deux officiers seraient retenus dans un château dans les Alpes bavaroises. On a volé un camion allemand. On a planqué à proximité et on approche du château à pied. Cool, on va prendre un château quoi. Il y a une étage 42 sur la gauche avec un poste de garde sur la droite. Ils ne m'ont pas vu. Encore. Croisons les doigts.
Capitaine Price, Major Ingram. Peut-être dans la grande maison, en haut de la route. Martin, en position. Éliminez la 42. Harding et Brooks, allez chercher le camion. Rendez-vous devant le château. Les autres avec Martin. Exécution! J'aime bien cette arme aussi. Un peu dans le tas des fois pour réussir à se faire comprendre. J'espère qu'il y aura une dame. Oh merde. On va prendre d'assaut un château ou une grande maison. Parce que ça dépend des gens. Pas d'accord sur les termes. Une grande maison, c'est une grande maison. Un château, c'est une très grande maison. C'est, je sais pas, c'est pas compliqué de faire la différence. Remarque, ouais, ça dépend en fait. Elle est boum. J'ai eu deux en eux. Hein. Les deux, ce sont eux en même temps. Ah, ce sont tombés quoi. Ce sont eux, de rivière. J'ai l'impression d'avoir eu deux en même temps. Ouais, c'est un manoir. C'est un manoir. Je l'ai frappé à la crosse. J'étais en train de recharger. Les vieux déclarent la guerre, mais ce sont les jeunes qui meurent au combat. Et Bert. Hoover. Ouais, ça c'est pas faux, ça. C'est vraiment pas faux. Parce que jusque-là, les pays ont toujours été dirigés par des vieux. Jamais par des jeunes. Et je vois pas pourquoi. Oh punaise. Les armes à ce que les sont plus sages. Je comprends pas les privilèges qui leur sont. Oh. Il est sur le V celui-là. Wow, qui c'est qui me fait dessus? D'accord. Désolé, des fois je suis perdu. Il va falloir que je change d'arme. Attends. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. De changer ces armes-là pour une arme de ce jour-là. Hop. Là. Je dois vous avouer que j'ai sauté. Rentrez là-dedans, ramassez tous les documents, détruisez leur transmission et revenez nous voir. Mouillez-moi, on va chercher Price. Non mais. Là, je suis énervé, là, vous m'avez fait sursauter. Thank you.
je recharge. Oh. Les salauds. Juste quand je recharge, quoi. J'aurais pu changer d'arme vite fait. Mais bon. J'ai pas trop pensé. Je me suis dit, ouais, le temps de recharger et tout, c'est kiff. Toc toc toc. Voilà. En avant. Ok, ce que j'ai fait servait à rien. Allez-y, j'ai peur. Non, je dois y aller. D'accord. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors... j'récupère un peu tout ça et ensuite on y va continuer là-bas, là où c'est la seule voie possible, quoi. Ça fait des explosions, quoi, ça. Des balles explosives. Oh punaise. Oh, qu'est-ce qui me tire dessus? Hein? On ne me tire pas dessus à moi. Non mais... Ouh. Heureusement que j'ai quelques réflexes. Bon, en gros, mes réflexes, c'est que je vois quelqu'un, je tire. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière nous, en fait. Attends, toi, pousse-toi. C'est bon? D'accord. Bon, là, je tire pas toutes les balles. Là, je vais dire, ouais, vas-y. J'avoue, je connaissais cet endroit. Je l'avoue. Beau travail. Très bien les gars, on continue. Bon, ça c'est pas hyper compliqué. Entrez. C'était violent ça. Price et Ingram sont derrière ces portes. Reculez, elles vont sauter. Oh, un MG42. Une MG42 plutôt. Désolé, c'est mort. Je vous dois une fière chandelle. Salut, Captain Price. MP40. Sacré feu d'artifice. C'est pas si mauvaise arme que ça. Surtout qu'une arme masse. Non. Je peux marcher. Ils l'ont emmené dans un camp. Oh punaise. Je sais où. Oh. Allez, allez.
genre là en fait on a même pas besoin de faire tout le parcours qu'on avait fait avant quoi. Et genre ça pouvait pas être ouvert dès le départ quoi. Vas-y, je suis jaloux. Camion droit devant, commandant. Bien, aidez le capitaine Price à sortir par la fenêtre. Il est blessé. Il est blessé et tout, il est en rouge quoi. Bon. Oh. Voilà. Il m'a repoussé carrément quoi. Regroupement, on va sortir. Capitaine, et pour le commandant Ingram. On reviendra le chercher. Rentrez. D'accord. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous battrons sur les plages, nous battrons sur... D'accord. Et donc c'est bon pour le troisième épisode. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des commentaires, eh bien, commentez. Hein. Vous pouvez aimer, voire ne pas aimer. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Mais vous pouvez rien faire aussi, c'est votre choix. C'est vous qui êtes roi. Et donc je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Call of Duty.